ce que je perçois dans mon expérience, c'est vraiment au niveau la relation avec la souffrance même, parce que... j'ai vraiment l'impression dans mon chemin, puis c'est pour ça que j'ai appelé le centre Kaivalya, pour me rappeler de la direction. On parle aussi de d'imprégnation, de vasanas. Patrick Vessin, comment on fait pour réaliser nos désirs les plus grands en même temps qu'on ne désire rien? Je me suis dit, en fait, j'aurais trois petits messages. Le premier message, c'est un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois. Donc, la libération, je pourrais dire que c'est l'éléphant. Mais bon, c'est tout à fait irréaliste de penser qu'on va manger l'éléphant d'un coup. Donc, ça commence par une première bouchée d'éléphant, puis une deuxième bouchée d'éléphant. Donc, il n'y a pas de, je dirais, il n'y a pas de course de vitesse là, mais il faut commencer à, il faut décider. Choisir que l'éléphant, effectivement, ça vaut la peine. Quand je fais, mais mon Dieu, waouh, quel beau cadeau, quel beau cadeau. Vous avez choisi un shastra, un mot sanskrit, un sutra. Et la question à 3 000 euros ou à 3 000 dollars, là?